So this is the camera component of Instant Attack. Ceci est une caméra espion mise au point par une équipe de Britanniques afin de lutter contre le braconnage qui fait des dégâts dans le monde animal, particulièrement sur le continent africain. Vous pouvez voir la lentille de la caméra au milieu. Ici, vous pouvez voir la matrice du LED utilisée pour l'imagerie de nuit qui utilise le flash infrarouge. Donc, quand il se déclenche, vous ne serez pas en mesure de le voir. Il est invisible à l'œil humain. Nous avons ici le capteur infrarouge passif, le détecteur de mouvement, de sorte qu'il détecte le changement de chaleur. Une personne ou un animal qui passe par là va déclencher une image à prendre. Ce matériel de pointe permettra de surveiller entre autres les rhinocéros. Ceux-ci auront un collier GPS et une caméra espion installée dans leur corps. Vous pouvez définir une image à prendre toutes les 4 heures ou toutes les 5 heures par exemple. Vous avez l'antenne fixée sur le haut ici et une batterie fixée au fond. Quand une image est prise, il y a une unité distincte appelée le nœud par satellite et les images sont envoyées par radiofréquence pour le nœud de satellite. Puis le nœud satellite utilise le réseau satellite Iridium pour envoyer cette image à l'endroit où vous en avez besoin. À en croire l'équipe, cette caméra utilise une technologie satellitaire capable d'envoyer des images à partir de n'importe quel endroit du monde. Alors quand il est disponible, nous pouvons l'envoyer par les réseaux mobiles car il est beaucoup moins cher que par satellite. Selon la Société zoologique de Londres, 95% des rhinocéros ont été décimés par le braconnage ces 40 dernières années, alors que 100 000 éléphants d'Afrique ont été illégalement tués entre 2011 et 2014.